Saviez-vous que le plus grand massif forestier en terre publique des basses terres du Saint-Laurent se trouve sur la rive sud, à seulement quelques kilomètres de Québec? La forêt de la Seigneurie de Lotbinière abrite la plus grande concentration de forêts anciennes peu ou jamais exploitées de toute la région. Elle se distingue également par ses nombreuses valeurs écologiques et son riche patrimoine culturel découlant de sa succession de seigneurs, dont certains présentant un fort penchant pour la protection de la nature. On y trouve des types de forêts rares et des espèces à statut précaire comme la tortue des bois et un poisson nommé le fouille-roche gris. On y a même découvert une espèce de champignon encore jamais identifié au Québec. Elle abrite également une importante proportion de milieux humides qui jouent un rôle clé pour la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Les randonneurs aiment parcourir ces sentiers et y observer les falaises et les méandres de la rivière du Chêne. Nul doute que la forêt de la Seigneurie de Lotbinière est un patrimoine naturel et culturel à préserver. C'est pourquoi des citoyens, citoyennes et un regroupement de 5 organismes locaux et nationaux, dont Nature Québec, proposent depuis plusieurs années d'y créer une aire protégée autour de la rivière du Chêne et de ses principaux affluents en terre publique sous forme d'une réserve de biodiversité. Cette aire protégée permettrait de conserver les vieilles forêts, les peuplements rares et les espèces à statut précaire pour les générations futures tout en permettant la poursuite des activités récréotouristiques. Pour démontrer votre appui à la protection de la forêt de la Seigneurie de Lotbinière et le projet de réserve de biodiversité, rendez-vous au www.protegelaforêt.org.